day, late at night. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, j'étais refaire mes petits ongles hier, je suis trop contente. Et je n'ai pas fait mes cils cette fois-ci parce que j'étais encore un peu rouge, mais là, je suis quasiment plus rouge ce matin, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, donc le 1er septembre, j'irai faire mes cils. Aujourd'hui, je vais aller faire des courses pour la rentrée scolaire parce qu'on part en vacances samedi. Donc dans 3 jours, et puis on rentre samedi, et c'est la rentrée scolaire lundi. Donc du coup, on va aller faire les cours de collation, donc des petits biscuits, des bouteilles d'eau, les jus, tout ce qui peut être conservé en longue durée. On va aller chercher des sandwichs, etc., qu'on va congeler pour pouvoir faire les lunchs quand on va rentrer. Donc on va aller faire ça. Là, mon chéri est parti à la kiné avec Angie, parce qu'elle a encore 2 séances aujourd'hui et jeudi. Et puis après, elle retourne à l'école et c'est la kiné de l'école qui va faire tous les jours de la kiné. Et puis elle refera de la kiné avec cette kiné-ci pendant les vacances de Toussaint. Là, je vais aller prendre une petite douchette avant d'aller faire les courses. Donc mon chéri est à la kiné, il va déposer Doudou chez mamie. Donc Doudou, c'est le doudou de Sandro parce qu'il est décousu ici à la tête d'une ours et donc on peut pas lui laisser parce que il est petit et il risque d'aller chercher les pluches. Moi, j'ai nettoyé le sol ici en bas, donc voilà, j'ai fait tout mon sol ici en bas, j'ai fait tout le sol par là aussi, et voilà. J'ai fait tourner ma machine, j'en ai mis sécher une, j'ai fait le WC, la douche et l'évier. J'ai également sorti les pizzas pour le souper de ce soir. Et j'ai fait ma liste de courses. Les mallettes sont, comme je vous l'ai dit l'autre fois, toutes les 4 ici devant le meuble, prêtes à partir. Les boîtes à lunch et les gourdes sont lavées et propres et prêtes à être remplies. Mais on rentre samedi, donc le 27. Et le 28, je ferai les boîtes à lunch et tout ça. Et le 29 au matin, les enfants partent à l'école. Donc voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais me prendre aussi 2-3 colos parce que j'ai mes cheveux qui deviennent super blancs ici de plus en plus. Il est temps de faire une colo. Le petit, il fait dodo dans son lit. On essaie de l'habituer maintenant à ce qu'il fasse ses siestes en haut parce que le parc, c'est uniquement pour jouer. Donc voilà, voilà. Les petits poches vont très bien. On en a encore lâché plein de bébés dans l'aquarium. On va de toute façon, je pense, mettre un deuxième bac en fonction, on n'a pas trop le choix. Sinon là, ça va être mission course, tournoi auto de course, le monte, etc. Et vous le mettez en ligne pour quand je serai parti en vacances. N'hésitez quand même pas à venir sur Instagram parce que je vais vous poster toutes les vacances sur Instagram et faire des réels et tout ça. Mais bon, si c'est du travail en plus de mes enfants, de ma chaîne, de ma fille qui est handicapée locomoteur, de tout ça, donc voilà, si ça plaît, ok, je le fais, mais voilà, s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir les trucs Insta, ça m'a fait, c'est un peu chiant, parce que je travaille un peu dans le vide, du coup, donc voilà, donc n'hésitez quand même pas à aller vous inscrire sur Insta et aller voir les reels et les publications et les stories que je mets, et n'hésitez pas non plus à aller sur l'autre chaîne, il y a une chaîne cuisine qui a été faite, c'est Pâte Ovale, et chaque fois, je vous mets le nom de la chaîne ici. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne et vous inscrire parce qu'à la rentrée, il va y avoir beaucoup de vidéos sur les boîtes à lunch que je prépare pour les enfants, sur voilà, sur nos soupers, sur tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas à aller nous rejoindre sur cette chaîne-là. Et sinon, j'essaie de tenir le rythme des vlogs, mais là, avec les vacances, avec la rentrée scolaire, avec tout ça, je n'ai pas beaucoup le temps. Donc du coup, je pense que je vais aussi intervenir ici, c'est-à-dire que je vais retirer ça parce que je trouve ça très moche. Donc voilà, ça ici devant, oui, ça, ici, je trouve ça très moche ce machin là qui pend et qui ne ressemble à rien. Donc je pense les virer parce qu'on dirait que ça fait gaiole, c'est vraiment moche. Donc je pense que je vais retirer ces machins là qui sont tout moches. Parce qu'en fait je sais pas les mettre dans mes queues, je sais les mettre dans rien et ils traînent toujours pour rien en fait. Et c'est moche, ça fait des petits poils, c'est vraiment laid. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, voilà, je vais faire tout ça, je vais aller faire mes courses, je vais vous tourner autour de courses. Je vous ferai aussi des vidéos sur le frigo, et quasiment tout le monde avait compris à peu près que c'était un frigo qu'on est en train de rénover. Il y a des gens qui les ont vus d'ailleurs derrière moi
on vlog, etc. On n'a pas fini, donc vous aurez une grosse vidéo sur cette rénovation-là et sur aussi le rangement des frigos, tout ça, mais je vous ferai en début septembre parce que là, ben, avec les vacances, je ne fais pas de frigo, machin, tout ça. On est plus en mode vacances, donc j'ai pas fait de gros rangements là-dedans. Donc là, voilà, aujourd'hui, ça va être plutôt faire les courses, faire le tour de courses, ranger les courses, préparer, voilà, continuer à faire tourner du linge sale pour que tout soit quand même correct quand on part en vacances, qu'il y ait du linge rangé dans les armoires et que on ait de quoi pour rentrer à l'école, même si je dis ranger une grosse partie, puisque là, ils mettent juste des shorts et des t-shirts, alors que pour rentrer à l'école, ils mettent des jeans et des blouses, hein, ils ne vont pas à l'école en short, en tout cas, nous, c'est interdit. Dans l'école où mes garçons vont, ils ne peuvent pas mettre de shorts. Donc voilà, voilà où ma maman m'a remis ma robe, une robe, là, qui est pendue, là, une robe et un legging blanc, donc voilà, du coup, je vais mettre le legging blanc pour les jours du départ, et la robe et mon combi short dans la valise. Je vais aller faire des courses pour avoir de quoi faire des pâtes, tout ça, d'avoir du lait, d'avoir du chocolat, du pain, etc. pour le jour du départ en vacances pour aller sur place. Parce que l'autre fois, on l'avait pas fait, c'est parti en vrille parce qu'on est arrivé, on avait faim, on avait chaud, on n'avait rien dans les frigos, enfin c'était l'horaire, on n'avait rien pris. Donc là, on va d'abord faire les courses pour dire d'avoir des pâtes, de la sauce bolognaise, de la crème fraîche, de l'emmental, un pain, un paquet de fromage, un petit peu de mayonnaise, deux trois repas pour le petit, des compotes et deux trois trucs de boisson pour dire que quand on arrive sur place on ait des courses et qu'on ait faire des courses alors lundi à notre S ou le mardi selon le planning. De toute façon quand on arrive sur place on a de la chance que par contre à cet endroit là il y a tout, il y a une pizzeria, une friterie, il y a une boulangerie, il y a tout sur place en fait, on a à quelques mètres, il y a tout, donc on saura aller facilement manger une frite et tout ça avec les enfants le soir. Et franchement, il y a boulanger, il y a tout sur place, donc ça c'est juste nickel. Il y a Lidl, il y a un gros Delhaize tout près aussi, on sait y aller à pied, quasiment 5 minutes. Et donc du coup, on saura faire les courses aussi un peu plus facile. Donc voilà, voilà. Du coup, cette semaine, ça va beaucoup être ça. Je vais pas vous remontrer ce que je mets dans la valise, puisque j'avais déjà fait pour la première fois où on est parti. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de changement entre les deux, puisque c'est les mêmes destinations. Donc voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu les valises que j'ai fait, etc., allez voir les vidéos. Elles sont dans les vidéos ici. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'avais mis comme vidéo pour partir. Et voilà. Du coup, l'anniversaire d'Alessandro, c'est demain, il aura un an, mais on le fêtera à notre trou de vacances, donc le premier week-end de septembre, on fera une grosse fête, enfin une fête, chez ma maman, avec un gâteau, ses cadeaux, et sa marraine, normalement, j'espère qu'elle saura venir, je croise les doigts, pour qu'elle sache venir avec son mari, et qui sait, peut-être les enfants, s'ils les ont, et voilà. Donc du coup je ferai ça le premier week-end de septembre parce que là on est un petit peu en décalage avec les vacances et on est en décalage avec l'anniversaire de Zoé, donc on est un petit peu en décalage. Du coup, voilà voilà, sinon quoi de neuf, voilà rien de spécial, on est en train de, voilà, de faire notre petite vie quotidienne, on est en train de ranger etc. J'ai très très mal, donc je me suis coupée avec le dessus de ma brosse racloir, j'ai, il n'y a plus le bouchon en plastique et donc l'axe dedans. J'ai, comme je vous ai dit, mon petit entour et j'ai refait mes petits ongles qui sont trop trop beaux. Et voilà. Et là, ben, comme je vous ai dit, je vais refaire une colo, je vais essayer de rectifier ici ça parce que c'est moche. Et puis alors, je vous l'ai dit, en septembre, je vais refaire encore couper mes cheveux, j'aimerais bien qu'ils arrivent aux épaules. Et recouper un peu ceux d'Angie aussi. Le dimanche, avant de rentrer, je vais couper ceux des garçons. Mais ça, je le fais moi-même, je donne un petit coup de tondeuse et je coupe moi-même au niveau des mèches. Et voilà, 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 donc ça s'engage bien. On a rangé les chaussures des enfants. J'ai fait un panier ici. Je sais pas qui m'a mis ça dedans, mais enfin, non. À la base, il n'y avait pas. J'ai fait un panier avec tous les élastiques, le shampoing répulsif pour. Le shampoing à poux, le spray pour éliminer les poux, le spray pour répulsif des poux. Ça, c'est fait. Ça, c'était un sac pour partir à la mer avec tous des bonbons, etc. dans ma mamie. Il y a une paire de slash qu'elle m'a remis. Il y a deux, trois vêtements et des trucs que je dois mettre dans la valise. Je dois refermer ici. Ça, je ne l'ai pas fait.
Et ici dans le couloir, on est en train de vider, on est en train de vider au container. On a remis toutes les nouvelles chaussures de tout le monde là sur l'étagère. Et là, on va faire les trucs. Maman m'a remis un legging blanc et une robe. Voilà. Parce qu'elle ne sait pas les mettre. Donc voilà, ils sont un peu étroits pour elle. Donc voilà, voilà. J'ai commandé sur Lidl deux cruches pour mon jus d'orange et tout ça parce que les enfants me l'avaient cassé. Donc il y a une cruche pour le jus d'orange et une cruche pour l'eau dans lequel je mettrai des rondelles de citron et d'orange pour faire de l'eau citronnée orangée. J'ai repris également un lot de deux brassières parce que ici, celle-ci j'aime bien, mais elles me font, vous voyez, j'aime pas trop ça parce que ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je les aime bien, mais elles serrent un peu, ça fait un peu plus push-up. Et pour le quotidien, j'aime moins. J'ai l'impression d'avoir ma poitrine qui me remonte là. Donc du coup, j'ai repris deux brassières, comme ça j'aurai trois brassières. En fait, je ferai un tournant avec les brassières. Et comme ça, j'ai une saumon, une grise et une blanche. Je ferai un tour avec ces trois brassières-là à chaque fois. Et j'ai ces deux-ci en plus. J'ai celui-ci un rose. Mais ceux-là, c'est un peu plus voilà, pour faire push-up quand tu mets une robe ou quoi. Donc voilà, voilà. Du coup, les mallettes sont prêtes, tout est prêt. Donc là, on va aller faire les courses pour les bouteilles d'eau, les collations, mettre des sandwichs au congélateur, etc. Prendre ce qu'il nous faut pour le départ en vacances. Reprendre du lait, etc. Du pampers, des lingettes, enfin j'ai fait une liste de ce qu'il nous fallait. Ma maman, pendant qu'on sera en vacances, elle, le vendredi avant qu'on rentre, va faire ses courses, elle va faire ses courses le vendredi. Donc elle prendra les fruits et quelques collations encore pour les enfants. Et elle prendra les deux paquets de jambon, les deux, trois paquets de jambon, parce que moi, je vais prendre le jambon maintenant pour la rentrée scolaire et je rentre le samedi et le dimanche, ben, tout est fermé et le lundi rentre à l'école. Donc il faut absolument. Donc c'est elle qui prendra le jambon, etc. Je lui rappellerai, parce qu'elle m'a dit, rappelle-le-moi quand tu es à la mer, quand tu me sonnes pour me dire que ça va bien, parce que je lui sonne tous les jours, même trois fois par jour. Et donc je lui ai rappelé qu'elle doit prendre les jambons les petits fromages pour remettre sur les collations, enfin, sur les sandwichs des enfants. Parce que mes quatre enfants, en fait, l'année dernière, il y en avait deux qui mangeaient, trois qui mangeaient, deux qui mangeaient repas chaud, un qui mangeait ce que je lui faisais et une qui mangeait des sandwichs. Alors il y en a une qui elle va toujours continuer à prendre les sandwichs, sauf que ben, le premier jour, il n'y a pas le temps que tout se mette en route, que les parents payent, que tout ce roulement se mette en route, il n'y a pas. Donc du coup, je dois aller faire son lunch. Angie, elle veut plus manger chaud à l'école, elle veut uniquement tartine avec de la soupe. Donc elle prend un bol de soupe à l'école, mais moi je lui fais son sandwich. Et maintenant, Valentino, il passe du côté des grands pour sa première différenciée, donc il n'y a pas de repas chaud. Donc du coup, je fais des sandwichs à tout le monde. Donc du coup, il faut j'ai racheté, comme vous l'avez vu, des grosses boîtes à lunch à Action. J'en ai acheté une chez Lidl plus petite pour Zoé, parce qu'elle, elle va prendre, comme je vous l'ai dit, des sandwichs à l'école. Donc elle, c'est juste pour mettre ses collations. Et j'ai pris 4 gourdes pour les enfants. Et je leur mettrai quand même une bouteille, entre guillemets, d'eau. Mais je leur remplirai quand même une gourde d'eau aussi. Comme ça, ils ont une grande gourde d'eau plus une petite bouteille d'eau, parce qu'ils partent à 8h du matin. Et ils reviennent vers 16h, 16h30, ça dépend un petit peu. Donc j'aime autant qu'ils aient, et puis quand ils partent en voyage scolaire, quoi, enfin j'aime bien qu'ils aient une gourde quand même ici. Puis si tout tombe à court de bouteilles d'eau, mais au moins on a une gourde là remplie d'eau et ils ont quand même de quoi boire à l'école. Donc voilà, voilà. Du coup, mon chéri allait chez la kiné, je pense qu'après la kiné, il va tout de suite déposer Doudou. Et puis on va aller faire les courses et puis les faire chercher Doudou début de soirée pour que Sandra puisse avoir Doudou pour faire Doudou. Très important. Donc voilà, et vendredi, mon chéri ira chez Lidl nous chercher le pain pour notre départ en vacances, parce que on mange pas le pain de chez Lidl. Donc là, on a du pain pour les 2-3 jours qui viennent. Mais pour partir, il a recherché un pain pour avoir du pain frais pour samedi matin, démarrer sur place. Et comme ça, je vous dis, on a à manger pour samedi quand on arrive, au moins, voilà, pouvoir manger un petit bout quand on arrive, pouvoir boire, pouvoir déjeuner dimanche. Déjeuner le lundi matin et avoir ne fût-ce qu'un paquet de pâtes, etc. pour faire du souper, enfin voilà. Donc du coup, on va prendre ça. De toute manière, les pâtes, c'est jamais jeté. Vous conservez ça longtemps. Donc même si je les utilise pas en vacances, les pâtes, je peux revenir avec. Mais je pense que je ferai quand même 2 ou 3 fois des pâtes sur la semaine, ça c'est sûr. Et voilà, voilà. Donc on espère que le temps va se maintenir comme c'est là et qu'on va pouvoir profiter un peu quand même de la plage, profiter d'aller se promener avec les enfants. Et de prendre un bon bol d'air frais avant de recommencer la routine du truc. Je suis en train de boire le coca sucré parce que j'aime pas trop le coca sucré, mais ça, ça me donne un drôle de goût. Moi, je suis habitué au light, donc face à moi, ça me donne un drôle de goût. Mais depuis le Covid, j'ai un drôle de goût. Hein. J'ai perdu le goût pendant le Covid et j'ai du mal quand même. Mais c'est mon chéri qui s'est ouvert un coca frais
En rentrant du container, il a mis 3-4 gorgées et puis après il m'a dit oh, je te laisse, je dois aller streamer. Enfin, donc du coup je suis en train de boire quelques gorgées. Sinon, j'ai un enfant qui vient de descendre. Il semblait que j'avais un enfant qui descendait. Un enfant qui va prendre sa douche. Un enfant féminin. Tais-toi. Toi, t'as un garçon? Non. Ah bah alors. T'as pas un garçon, t'es une fille. Ouais, t'es obligé de préciser. Bonjour. Voilà, un enfant en vacances qui est en pyjama, qui ne s'est pas encore lavé. Oui, et du coup, je vais prendre ma douche. Vous voyez qu'elle est moins jolie, quand elle n'est pas lavée, coiffée. Vous êtes... Dites-la si qu'elle n'est pas jolie. Vous arrêtez pas de me dire qu'elle est jolie, mais c'est pas vrai en fait. C'est parce que je suis pas coiffée. Regardez. C'est parce que j'ai mangé à 10 minutes, folie, hein. Je suis pas coiffée. Alors celui qui me dit qu'elle me ressemble, c'est faux, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui au début me disent qu'elle me ressemble, mais elle me ressemble pas du tout, c'est son père. Pas du tout. Elle a les mêmes yeux que son papa, elle a tout de son papa, même les lèvres, tout c'est son papa, c'est pas moi. Regardez, je lui ressemble pas du tout, aux yeux bleus, yeux bruns. Non, elle me ressemble pas. Bouche foncée, bouche claire. Elle ressemble à son papa. Donc la même, elle est très grande, elle a des grandes jambes, comme son papa, elle est très très grande, elle ressemble à son papa. Mais c'est une bonne chose, hein, j'en ai au moins un qui ressemble à son papa dans le monde. Voilà, donc Sandra et Angie me ressemblent très très fort, mais elle ressemble fort son papa, c'est fou. Quand... Maintenant que vous avez vu le barbu, vous le voyez, hein, les yeux, la très très longue visage, comme ça, c'est son papa, basané, comme ça, c'est son papa. Donc voilà, voilà, du coup, moi je vous abandonne, je vais aller faire ces 2-3 courses là, et puis ensuite ranger les courses, faire le retour de course, mais il sera déjà l'heure de quasiment faire le souper. Et puis demain, ça sera les valises, mais je vous prendrai demain de toute manière. Donc je vous reprends tout à l'heure après mes courses. Et je vous montrerai si j'ai trouvé un truc intéressant ou l'autre dans les bacs. Oui, je vous montrerai. Si j'ai trouvé quelque chose, je vous le montre. Si j'ai pas trouvé, bien souvent, je trouve quand même des petites choses intéressantes. Et puis de toute façon, suivez-moi sur Instagram parce que du coup, quand je serai en vacances, je vais faire des achats sur la digue et je vais vous montrer parce que l'autre fois, on n'a même pas eu le temps de faire des achats, rien du tout. Planté complet. Donc voilà, allez, tantôt. Bon, je vous reprends dans cet après-midi de chaleur et d'enfer. Je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure? 15h, c'est possible? 15h. Oh, misère, ça passe trop vite. Je dégouline. Vous dégouline. Non, c'est une horreur. Franchement, je meurs de chaud. Je meurs de chaud. Les poissons sont chauds aussi. On d'ailleurs rendu à la lampe parce que l'aquarium est à 30 degrés. Ils n'ont plus de leur vie. Donc voilà, je vous avais dit que je vous montrerais si j'avais trouvé des petites choses intéressantes. La seule chose que j'ai trouvée, c'est des nounours pour les deux plus petits. Donc voilà, Dédé, Sandra, c'est Dédé, Sandra, bonjour. Oui, tu dis bonjour. Bonjour les amis. Donc voilà, on a trouvé Tigrou et hop, Mimi qui est déjà pleine de chocolat parce que sa maîtresse se prend pas soin. Et Mimi et Sandra. Et Sandra, il a mis des couverts. Là, on a trouvé un petit lot de couverts comme ça. Mais voilà, il y a des choses intéressantes, mais on part en vacances donc. On s'est dit que ça ne servait à rien de... Et c'était inutile de se charger de choses et voilà. Mais voilà le petit set de couverts. C'était un set comme ceci. Voilà. Et vous avez 4 couverts comme ceci. Voilà. Je dois regarder. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pleine de chocolat, toi. On va que t'as mangé. C'est pas mal du tout. Waouh. Montre à la caméra. Je dois montrer à la caméra. Voilà, regardez. C'est un petit jeu pour moi. Ouais, c'est un jeu pour Angie. Donc voilà, elle doit mettre les ronds au bon endroit. Donc voilà, mais là elle est pleine de chocolat, Angie. Donc voilà, j'ai fait les courses. Comment vous dire qu'il y en a partout, que je dois tout ranger. Et regardez ça, un frigo qui est plein. Donc voilà, voilà, on part à la mer samedi. Donc j'ai pris plusieurs petites choses pour la mer, pour l'école, pour la rentrée. Donc voilà. Du coup, là, je fais une pause parce qu'une pause s'impose. Je suis au bout de ma vie. C'est ton dernier rouge? Ben non, il y en a encore là derrière. Ici. Tiens. Voilà. Et voilà, madame, le rouge. Donc voilà, on meurt. En tout cas, je suis en train de boire un petit coca frais avec le barbu. Sinon, comme... Non, le barbu, il a fini son coca. Sinon, c'est vous dire comme il fait bruit, je suis malade. Je transpire un peu plus de ma vie. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur, non, c'est pour rien. J'avais mis du déo. Puis je ne pue pas ça. Ah, il y a le barbu qui dit que si, je meurs parce que je suis lève le bras. Non. Mais non, il rit, il est mort de rire.
Je vous dis, mais regardez cette tête de désagréable personnage. C'est méchant. Oui. Si, il est méchant. Enfin. C'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, voilà. Si j'ai trouvé des chaussettes pour Angie avec les petites catins de retour de course au final, avec les catins de Disney. C'est pas net. Oui, c'est les catins de Disney. Piotr. Exactement. Même mon chéri a reconnu Piotr. Ah, Piotr, c'est la vie. Hein. Ici, c'est Piotr. C'est Piotr. Ah, le fun. Ah, le fun. Piotr, on aime bien. On rigole bien avec Piotr. Oh, de temps en temps, on regarde Adrien. Il est sympa aussi. Voilà. Et puis parfois, même souvent, on regarde Tiffen. Enfin, oui. Il faut rêver qu'on aime bien aussi. Elle est sympa aussi, Tiffen. Donc voilà, voilà. Du coup, je transpire, je vous raconte même pas de l'horreur de chez l'horreur, que c'est pas possible. Enfin, ma maman dit que ça va rafraîchir un petit peu, donc on aura un peu moins chaud quand on va aller à la mer, parce que quand il fait jour comme ça, que tout petit à la mer, c'est un peu chiant, parce que vous savez pas faire grand chose. Donc voilà, voilà. Du coup, on a fait les courses. Regardez comme c'est trop mignon. Oh. Ah, des câlins. Oui. Gigi, je t'en avais vu, c'est qu'elle a un son tigrou. Oh, que j'ai trop mignon! Oui, mon Sandrino, il est trop trop mimes, quoi. Donc voilà, du coup, au programme de la fin de journée, le Barbu. Qui n'en peut plus, le Barbu, il a mal. Sérieusement, il a fait que quoi? Il fait que porter trois sacs de course et ranger juste que je vous ai montré, quoi, les canettes comme ça, assis à son aise devant le frigo, mais il est cassé, quoi. Il a super mal. On les a rendez-vous fait à septembre avec le rhumatologue, je sais pas quoi, l'orthopédiste. L'orthopédiste. Qui n'est pas que pour les pieds. Qui n'est pas que pour les pieds. L'orthopédiste. Alors, au sac de chez Lidl, je sais que ça fait baraki, mais en fait, dans le sac de chez Lidl, là, il y a une casquette, un essuie-éponge. Qui doit retourner. Et deux toujours trucs qui doivent retourner à l'école parce qu'ils étaient dans la valise de la mère de la petite et que c'est pas ma fille, donc je les ai mis là. Pour être sûr de les voir le jour où le bus va arriver le matin et que les parents puissent récupérer les choses qui ne sont pas, parce qu'il y a le nom sur les essuies, tout ça, donc on sait à qui c'est. Donc voilà. Du coup, là, on va ranger les courses, les collations, tout ça pour l'école. Le retour de course, vous l'aurez au milieu de la semaine où je suis en vacances, comme ça vous avez une petite vidéo. Et sinon, bah, je vous l'ai dit, venez sur Insta me rejoindre. Comme ça, tantôt j'ai fait un petit référendum d'homme, mais vous étiez tous en train de dire que vous vouliez que je vous monte un peu plus sur Insta au niveau vie comme ceci. Et un peu plus au niveau des achats et des trucs que je reçois, les colis, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus souvent sur Insta les choses que j'achète. Je vais essayer d'y penser. C'est vrai qu'on a une vie un petit peu mouvementée, donc on n'a pas toujours le temps, mais on va essayer d'y penser. Donc voilà, voilà, notre Aldi, il n'y avait pas beaucoup de monde, on est allé à 13h, 13h30. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ça c'est assez chouette. Et le petit faisait sa sieste, donc il venait de se réveiller quand nous on est arrivés, donc les babysitters n'ont pas eu trop de travail. Les babysitters, c'est nos deux grands, ils ont 13 et 12 ans, et donc ils sont tous les deux là pour regarder à Alessandro et Angie, et à Zoé qui a 10 ans, donc elle ne regarde pas spécialement au petit, elle se regarde à elle-même. C'est déjà pas mal du tout. Non, mais si jamais elle doit intervenir, elle met la tétine à son frère, des choses ainsi. Si, mais je veux dire, vraiment garder, porter dans la maison s'il y a un problème et tout ça, c'est Vinicio et Alessandro. C'est Vinicio et Valentino qui portent le petit. T'as presque fini? Ouais, on va voir, elle a presque fini. Alors, t'en es où? Ah oui, t'as presque fini. Il reste encore juste ce qu'il faut en rouge pour faire le corps ici. Ah oui, t'as presque fini, je vais te remettre du vert, parce que c'est ça qui va en manquer. Voilà. Tu devrais avoir assez. Donc voilà, voilà. C'est on a dit, le grand Barbu, il a renversé son sanglier. Et donc, je vais lui faire comprendre tout doucement qu'il doit lui donner un petit coup de lingette. Oh. Dites-le, cette fois-ci, dites la réalité des choses, parce que chaque fois que vous la voyez, dites-le qu'elle est bête. Non. Elle ressemble à son papa. Hein. Vous regardez la tête là, hein? La tête, les yeux, le regard, hein? Vous regardez tout et puis vous regardez là. C'est fou, elle ressemble à son papa. Ouais, c'est elle, oh, fou, elle ressemble à son papa, c'est dingue. Donc voilà, autant là derrière, celle qui crie Zoé à ses pneumonies depuis tantôt, là, la petite blondinette, elle me ressemble. Autant Zoé, c'est son papa, amour. Mais la même tête allongée comme ça, tout. Mais elle est laide quand même. Non. Donc voilà.
Du coup, c'est bientôt la rentrée scolaire, ça diminue, ça diminue. On a, comme je vous ai montré, le back to school, on a déjà acheté tout ce qu'il fallait, les mallettes sont prêtes. Vive les vacances. Vive les vacances. Et là, aujourd'hui, vous verrez dans le retour de course qui arrivera la semaine, qu'on a acheté tout ce qu'il fallait en collation, et en sandwich, etc. Et en wrap, là. Alors c'est juste les wraps toutes seules, c'est pas les wraps, moi je les fais moi-même quoi. Mais nous on a déjà acheté tout ça, comme ça quand on rentre, ben, on est sûr qu'on va pas courir à gauche et à droite. On aime pas de courir, nous. On aime bien de faire les choses posées, donc voilà. Et c'est la même chose pour les vacances, j'ai pris des petites bouteilles de lait, j'ai pris des petits pains à chocolat, j'ai pris un pack de chocolat Nutella, etc., etc. Et jeudi ou vendredi, Laurent va venir à chercher le café. Les cafés, etc. pour la dossier Gusto et le pain. Parce que comme ça, on congèlera deux pains et on en prendra un ou deux pour partir à la mer. Parce qu'on va arriver samedi sur le torrent de midi ou dans ces jours-là. Donc comme ça, on aimerait bien que quand on arrive, on ait de quoi faire à souper, de quoi faire un petit déj, de quoi prendre les 4 heures, etc. avec les enfants. Et puis aller faire nos courses, alors lundi ou mardi à notre aise, quoi. Donc voilà. Du coup, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour aujourd'hui. Il va pas y avoir grand chose. Je vais ranger les courses. Et puis ensuite, on va cuire les pizzas et tout ça pour le souper. Le grand Barbu, il est à son apogée. Il n'en peut plus de sa vie. T'es pas bien? T'as mal? Tu souffres? Est-ce que vous auriez une péridurale, s'il vous plaît, pour le jeune homme? Je vous rappelle, je ferai un gros plan en avant. Je vous rappelle, parce qu'il n'aime pas qu'on voit qu'il fume. À chaque fois qu'il fait ça, c'est parce qu'il sait pas qu'il veut pas qu'on le voit à ce moment-là, c'est juste qu'il a sa cigarette en main et qu'il déteste ça. Donc voilà, j'avais pas cette tête-là quand j'ai accouché 5 fois. Quoi? Et là, je serais même pas à vous montrer ce qu'il vient de me faire parce que franchement, hein, c'est honteux d'avoir fait ça pour son enfant. T'es d'accord avec moi? Il a fait quoi? T'as rien vu. Il a fait quoi? Il a fait un doigt d'honneur. Non, il a fait un doigt avec honneur. Vous voyez comme il est. Vous voyez comme il est honteux, cet enfant. Honteux. J'ai un adolescent à la maison. Slip, chaussettes, t-shirt. Il m'a demandé tantôt, je lui ai dit regarde en dessous de ton lit. J'adore. Même la caissière chez Aldi, elle arrive. Et même la dame qui était derrière nous, elle rigole aussi. Tu arrêtes de critiquer ton homme parfait, s'il te plaît. Mon homme parfait. Oh, s'il vous plaît, les filles, arrêtez. Dites que c'est pas vrai. Allez, s'il vous plaît, soyez honnête. Il est tout sauf parfait, quoi. Moi, je peux dire que de mon point de vue, je suis parfait. Tout simplement parce que ça dépend de la perception de ce qui est parfait. De la perception de ce qui n'est pas parfait du tout. T'as fini? Il reste le bleu. Il reste encore un petit peu de bleu. Oui, encore deux bleus et puis t'as fini la chenille. On laisse la voler. Est-ce qu'ils ont marqué un truc face à avant et maintenant? Je sais pas encore. T'as fait quoi? Ah oui, elle s'est lavée entre les deux. Oui, ce matin quand vous l'avez vue, elle n'était pas lavée. Et là maintenant, elle dit que vous avez remarqué qu'elle s'était lavée. Mes cheveux sont tout bien. Oui, mais t'es toujours aussi pas jolie. Heureusement, mes enfants savent que je blague. Hein. Oui. Je ne penserai pas à ce que je disais. Le petit là-bas aussi n'est pas très beau. Hein. Et là-bas, l'oreille non plus, elle n'est pas très belle. Mais genre, il faut bien assumer. On n'est pas très beau non plus. Donc, Papa, Kana, oui, on sait, t'as fini. Ça va, je me relève, je vais montrer que t'as fini. Attention. Ok. Tiens, on peut manger le chef-d'œuvre, t'as fini? Oui. Ok. C'est fini. Voilà le chef-d'œuvre. Bravo. Une autre fiche. Une autre fiche. Comment est-ce qu'elle parle? Vous avez entendu ce qu'elle me demande? Une autre fiche. Un enfant aurait dit un autre dessin ou une autre fiche. Une autre fiche. Oh, le barbu, il est désespéré. Ça. Oh, le barbu, il est désespéré. C'est ça, s'il te plaît. Un autre... Fiche. C'était bien, fiche. Tiens. Mais regarde la dame et notre fiche. Il est serveur, c'est l'heure du thé. Non, bon, pas de thé. Donc, mais Angie, c'est quasiment comme ça qu'elle parle. Là. Il est serveur. Notre fiche, s'il vous plaît. La bienséance. C'est dur, je veux dire.
Déjà, avoir un enfant HP, avoir un sourire, dans 6 mois, elle nous traite de bête. On jure. Dans 6 mois, elle nous dit qu'on est con. Vous avez des HP, il le fait. Oui, déjà, elle qui est HP, parfois nous dit qu'on est con. Bête. Non, qu'on est bête, quoi. Con. Vous avez compris qu'on est bête, en global. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, voilà. Il y a parfois où on nous dit qu'on est bête. Alors imaginez-vous, maintenant, l'autre là-bas qui est surdouée. Ouais, c'est clair, dans 2 ans, elle en rétend, quoi. Ouais. Moi, je parie. Elle nous désespère, hein. Maman, dans 2 ans, tu vas faire une faute d'orthographe. Elle va dire, mais non, c'est pas ça à la fin, c'est un T, par exemple. Ah oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. On n'en peut plus de nos vies. On n'en peut plus de nos vies. Enfin, voilà. Sur tout ça, je vais vous laisser. Moi, je vais aller ranger mes courses. Je vais aller monter le vlog. Et puis ensuite, je vais... On va faire un café avec le grand barbier après tout ça. Et puis ensuite, il faut aller faire un souper. Et c'est quand la vidéo où tu montres mon contre-vlog? Je t'avais demandé une fois. Je vais faire ça. Oui, elle veut faire une vidéo sur son contre-vlog. Oh, vous avez de la chance, vous. Qu'est-ce que vous êtes chanceux dans la vie, franchement, d'être tombé sur ma chaîne. Franchement, vous auriez pu tomber sur autre chose. Hein. Je sais pas si vous êtes tous restés du coup. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. Donc voilà. Bon, allez. Je vous abandonne parce que sinon ça va partir en vrille. Je suis très riche sur Adopt-Me. Hein. Oui, sur Adopt-Me, parce que sur la vie, laisse tomber. Hein. Arrêtez pas que. Voilà. Bon, allez les amis, je vous laisse. On se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner sur Instagram et sur la nouvelle chaîne Cuisine. Et puis nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why.